Comme beaucoup dans son métier, il était une voix et non un visage. Le doubleur Bernard Tiffen est décédé ce mardi 19 octobre, à l'âge de 83 ans. CST sa fille, Marion, qui a eu la lourde tâche d'annoncer cette bien triste nouvelle. Cette dernière le qualifie de père et mari qui faisait passer sa vie de famille en premier mais était aussi d'un professionnel perfectionniste et qui adorait son travail. Un homme généreux et sensible à la souffrance des autres. Le doubleur était atteint de la maladie d'Alzheimer, qui lui avait été diagnostiquée en 2018. Bernard Tiffen a littéralement marqué des générations entières, en doublant la voix de Chuck Norris, tous les dimanches midi, dans la série Walker Texas Ranger. Mais ce n'est pas tout, le comédien a eu une carrière grandiose. Doubleur officiel d'acteurs américains dans les blockbusters, il a prêté sa voix à une centaine de films. Son timbre de voix reconnaissable parmi tant d'autres a été la doublure de Donald Sutherland, James Caan, Christopher Walken, dans plus de 39 films. Les spectateurs l'ont également entendu dans La Fureur du Dragon, Expendables 2, Portée disparue 3, Le Parrain, Le Parrain 2. Bernard Tiffen, un acteur, un comédien et un doubleur dans les années 2000, il était la voix de Bender, ce robot sarcastique du dessin animé Futurama. Bernard Tiffen avait également prêté sa voix au méchant critique gastronomique dans le film d'animation Ratatouille. Aussi, dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, il était le docteur Finkelstein. Avec une telle voix et une si grande carrière, le doubleur a également prêté sa voix à des dessins animés et jeux vidéo. En tant qu'acteur, il a tourné en 1963 dans Le Feu Follet et a joué dans de nombreuses pièces de théâtre comme Boeing Boeing ou Le Colonel Chabert. Le cinéma français vient de perdre une grande voix.